Bonjour, bienvenue à Our. Je m'appelle Maxime du restaurant La Table de Maxime. J'ai invité Christophe pour visiter ma région. On va aller se promener un peu dans les bois maintenant, voir ce que l'on trouve pour cuisiner au bord de la rivière aussi, qui s'appelle Our comme le village. Quoi. Ok, super. Gebruik je dikwijls zo producten uit de nature, van hier uit een bos? Oui, c'est en saison, au printemps, je récolte des herbes au bord de la rivière, des herbes sauvages. Aussi des truites, parce qu'on cuisine aussi la truite. Et maintenant, pour la saison, c'est vraiment les champignons des bois. La nature est fantastique ici. Et ce que nous faisons maintenant, c'est en fait la stille jacht. Voilà, ici, Chris, c'est des chanterelles en tube jaune. Donc ça, c'est vraiment des champignons de saison. Zoeken naar de bospaddenstoelen, dat is toch fantastisch. En hoe snel dat we dat eigenlijk vinden hier. Maar wat we niet hebben gezien, zijn wilde dieren. En dan kunnen we altijd naar de wildpark in Beaune vergaan. Edelhert? Ja. Het is eigenlijk tof om dat ook in het echt te zien. Ik denk dat de veel mensen die dat bestellen op een menukaart nog nooit dit heeft gezien. Hè? Die weten niet hoe zo'n dier eruit ziet. Er is nog één plaats dat Maxime mij wil laten zien. En dat is eigenlijk de graf van de reus. Ja, het is echt magisch hier. La légende veut que c'est un géant qui soit enterré ici dans le trou, entouré de la semoie, donc voilà. En inspireert dat veel in de keuken, zo de natuur en de omgeving hier? Moi j'aime bien aller me promener dans la nature, voir un peu des paysages. C'est pour s'inspirer aussi pour les préparations. Ah, super. Moi je vais aller en cuisine, mais si tu veux, il y a le château fort de Bouillon qui est très intéressant pour visiter, c'est pas trop loin. Ok, c'est une bonne idée. Ouais. Ja, het kasteel kun je niet missen in Beaune. Dat is zo groot en zo bombastisch en zo fantastisch eigenlijk. Moet het gaan bezoeken. Dat is nu een echte kasteel dit. Hè. Hier krijg je eigenlijk zin om met zwaarden te vechten. En ja, van alles. Echt een wendekasteel. Maar de echte wend hier, dat was Gottfried van Beaune. En in de grote zaal, dat is een unieke zaal, een unieke plek eigenlijk, dat is uit de rotsen gehouden. Dus ongelooflijk. Donc je vais préparer une recette bien de saison, donc du chevreuil de nos forêts qui est chassé ici dans les forêts de la région. Je vais lever le filet de la carcasse. Je vais garder les os bien sûr pour faire du fond maison qu'on fait ici au restaurant avec du vin rouge qu'on laisse mariner. Et dans ce fond là, on va laisser réduire et on incorporera le chocolat, la gelée de groseille et bien sûr assaisonner. Pour la garniture du chevreuil, j'ai préparé une purée de potiron et aussi du chou rouge qu'on a laissé étuver pendant quelques temps. Le filet de chevreuil, je vais l'assaisonner et le rôtir à la minute. Op zijn 26 jaar had deze jongen al een ster. Ik verwacht er heel veel van. Toekomst van Waalse gastronomie. Ah, Maxime. Ik heb wel honger nu, hè? Ja. Wat moet er nu nog allemaal gebeuren? On va faire les chanterelles. Ok, ça va. Je te laisse faire. Oui, ça va. Zo moeten dat. Zelfgeplukte champignons en dan in een klein beetje notenolie. Dat is super tip van de chef. Voilà, chef. Champignons. Ik ga proeven, hè. Simpele groenten uit de eigen tuin is toch fantastisch, hè? Om mee te koken. Nou, zo'n beetje bospaddenstoelen zelf geplukt. Schitterend. Super, super bedankt voor vandaag. Dat was echt super. En ik ben heel blij dat ik niet naar huis moet gaan. Dat ik in zo'n prachtig hotel mag blijven slapen. Maar daar zit er een heel verhaal achter dit. Het was een ancienne fabriek de charpente pour construire les maisons. En Prémao, c'était le lieu dit du terrain ici où l'hôtel était construit. Het hotel van Maxime is eigenlijk volgens de tradities hier. Een houtskeletgebouw en ook nog passief gebouwd. Volledig respect voor de natuur en de milieu. Eigenlijk een beetje zoals de keuken van Maxime ook. En ik denk dat ik hier fantastisch goed ga slapen. Wallonië, Brussel, toerisme, Ardennen en veel meer.